Bonjour à tous, je suis Alice Audrey pour un nouveau rétro sur Mega Man X. J'espère que vous allez bien. Un petit jeu Capcom, Mega Man X sorti sur Super NES. Un classique à avoir et à jouer. Et on se lance de suite. Je vais juste vérifier les options. Alors, tirer Y, B, glissade, choix 1, menu. C'est bon. Non, je m'en fous, je passe. On commence une partie de suite. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Dans mes rares souvenirs, j'ai juste découvert un gros glitch. Tirer, ok, c'est comme ça. Charge bim, très bien. B sauter, Y pour. Voilà. Quand je dis que ça fait longtemps que j'y ai pas joué, c'est que ça fait vraiment longtemps. Alors, que veut dire sur ce jeu? On contrôle donc X, une version évoluée de Mega Man. Qui, lorsque vous l'avez vu, si vous n'avez pas skippé toute l'intro, ne devait pas être réveillé pendant 30 ans. Car il a la capacité de penser et de raisonner. Et je me prends masse de dégâts. Je me prends tellement de dégâts, tellement je joue pas jouer à ce jeu. Donc là je devrais être bientôt au premier boss. Enfin, au premier mini boss. Voilà. Ah ça le fait. Wow. Voilà. Et dans cet opus, on peut donc remonter comme ceci. C'est pas plus mal. Allez, la deuxième. Et cette musique, nom de Dieu, qu'elle est bonne. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Aïe,
dégagé. Ah, une voiture évidemment. Deux problèmes à régler en même temps, de la vie. Voilà, la voiture. Aïe. Bon, il est où le boss? Il est où le grand méchant? Il est là. Et voilà. Y a moyen de faire ça, c'est drôle. Allez, voilà le grand méchant. Il est méchant, il est pas beau. Il est... il est moche, ouais. Il me semble que ce boss, il est obligé de perdre. Si je dis pas de la merde, ouais, on est obligé de perdre. Donc, hop, je me sacrifie. Ah, je vais décéder. Toi, pièce de ferraille inutile, tu pensais pouvoir... bon, tu pensais pouvoir me vaincre. Et là, mais qui... mais qu'entend-on? Un réo chargé. Mais c'est notre pote Zéro qui a la classe parce qu'il a les cheveux blonds. Je vois que je n'étais pas aussi puissant. X, tu n'aurais pas dû les défier. Il est destiné à faire la guerre. Tu sais, tu n'as pas acquis toute ta puissance. Si tu utilises toutes tes habilités propres, tu vas devenir plus fort. Tu pourrais devenir aussi fort que moi. Je vais aller en reconnaissance pour retrouver la forteresse de Sigma. Je te rejoindrai quand tu seras prêt. A tout à l'heure. X, tu en es capable. J'ai un point de vie quand même. Ça, c'est un tableau de mot de passe. C'est génial. Alors, ensuite nous avons donc droit à 3. Non pas 2, non pas 3, non pas 4, mais bien 8 monstres comme d'habitude. Et je vais prendre ce stage là. Contre Sting Chameleon. Mais si je gère bien, je peux vous montrer, et s'ils ne l'ont pas corrigé, un petit bug très amusant qui permet de skipper la moitié du niveau et le boss. Alors je m'en souviens plus trop. Salut. Wouh. Oh lol. Et là tu fais comment? Tu fais comment là? Ah ah, t'es deg. Wow. Failli m'avoir. Ah, en voilà un autre. Pas un qui va me passer de la vie, non. Évidemment pas. Alors, il me semble que ça devait être ici. Voilà, c'est ça. Il y a un glitch ici. Vous détruisez ce caillou. Et là, le jeu considère que vous avez battu le boss. Petite astuce de speedrunner amateur, bien sûr. Vous pouvez essayer, c'est génial. Donc il considère que j'ai battu un boss. Je pense que je viens de gagner 2 minutes. À tout casser. Vu que j'ai gagné le Sting Chameleon, je ne sais pas quoi prendre, donc je vais prendre le pif. Oh, c'est la map, c'est trop bien ça. Et ça, c'est où? Smart Mandrill. Ah ouais. Spécificité, donc là j'ai battu un mec, j'ai zappé un mec. Ok. Bon bah je vais prendre lui. Je vais prendre au pif les boss.
de Spark Mandrill. Fuck yeah. Ah, ces musiques, elles sont tellement géniales. Et donc là, ça sert à quoi? D'accord. Ah, ces musiques, je pense que ça doit faire revenir des souvenirs à beaucoup d'entre vous. Oula, la console commence à faire la merde. Oh, la musique, les mecs. Ah, je vous conseille, c'est un classique à jouer. Oula, à jouer. Ce Mega Man est génial. Ah, il fait nuit. Enfin, nuit mes fesses. Bonjour. Putain, mais la ville disparaît. Eh, vache. Je suis pas mort. Ok, calme-toi. J'ai perdu tellement de vie par contre, c'est dégueulasse. Ça ne devra même pas être accepté. Faut pas faire de dash. Non. Ah, mini-boss de la merde. Mini-boss de l'ennui. Aïe. Mini-boss de l'ennui, évidemment. J'ai plus qu'un point de vie. Vais-je décéder comme une petite bite? Eh ben non. J'ai gagné un one-up. C'est cool. Décède. Saloperie de monstre. Ouah, qu'est-ce que c'est? Décède. Bon, je meurs, hein. J'avais pas pu avoir de vie. Un peu normal. Heureusement, je recommence pas tout au début. Ouais, j'ai oublié de préciser que dans certains niveaux, vous pouvez bien sûr gagner des items. Enfin, il faut trouver des items room qui vous permettent d'augmenter votre barre de vie. Qu'est-ce que c'est que ceci? Hop là. Hop là, no respect. Je suis en fou dans ma tête. Ok, ok, ok. Dégagez. Salle de l'angoisse, trop bien. Oh mon dieu, une tortue. Oh putain, il y a des bombes. Non, la vie. Alors ma version doit bugger parce que la vie disparaît. C'est dégueulasse. C'est totalement dégueulasse, monsieur arbitre. Attends, je peux faire ça. Ah, je peux largement la jouer petite bite. Je peux la jouer petite bite. C'est trop bien. Ça, ça me fait chier par contre. Je veux pas utiliser les safe state, mais là. Mais là, non. Mais bien sûr, on va mourir. Ah putain, même ça. Ok.
merde. Putain, je suis obligé de me coller pour espérer avoir le loot. Bam, mort. Décédé, respawn pas. Ah, je m'en suis pris une, connerie. Putain, cette hitbox pété. J'ai peut-être arrêté le massacre là parce que ma ROM a un gros problème. Donc je vais m'arrêter là, j'espère quand même que ça vous aura plu, que ça vous donnera envie d'y jouer. Je rappelle que je suis ouvert à toutes propositions de jeux rétro et de fan game. Vous n'avez qu'à me les proposer dans les commentaires. N'oubliez pas comme d'habitude d'aller télécharger Endless ROM Player, le lien dans la description, c'est toujours gratuit. De liker, de partager, de commenter, de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Twitter @service1. Bon jeu et à la prochaine.